Et donc, salut à tous les amis donc euh, bienvenue sur ma chaîne donc de, de cédric aujourd'hui en fait je vais tout simplement faire une petite vidéo des commentaires qui ont été publiés donc sur mes vidéos voilà donc c'est un moyen pour moi en fait de vous montrer que je lis les commentaires et que je fais quand c'est possible donc ce que vous demandez allez donc on commence tout de suite donc je suis dans l'onglet donc commentaires publiés euh, et je vais lire donc les commentaires qui m'ont été envoyés donc et donc j'irai voir votre chaîne enfin je voilà je ferai ce que vous me demanderez dans la mesure du possible les amis donc celui qui s'abonne qui like et qui met un commentaire constructif je fais pas sur sa chaîne bon mais ok alors qu'est ce que je fais j'aime son commentaire je vais sur sa chaîne je m'abonne Alors, les vidéos, ok. Alors, euh, par exemple, euh, par exemple, ça, hop, je coupe le son. Et je vais donc lui marquer, donc, euh, plus un like, mon ami, continue comme ça. Et bien sûr, je like donc voilà. Donc, j'ai liké, je me suis abonné à sa chaîne et, ai, et je lui mets donc un, un commentaire sympathique à Sloty YouTube. Donc, le premier c'est fait. Cool, merci. Ça, c'est le low Gaming. Alors, euh, d'ailleurs, hop. On va profiter pour aller voir sa chaîne Rapidos. Alors, dans ses vidéos, qu'est-ce qu'il a Voilà. Donc il a plusieurs vidéos. Donc ceux qui sont intéressés par sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc dans un propos. Donc yo les gens, je suis là pour vous partager mes aventures ou je ne sais quoi. Donc voilà pour le low gaming. Je ne pas ça à tout le monde, mais voilà, de temps en temps comme ça je fais du hasard. Donc là il y a le snap donc de Ludus Martianus si ça vous intéresse. Ici iProd de Salut, j'adore ça, ce que tu fais. Je voulais que tu viennes sur ma chaîne s'il te plaît. alors bon allez voir sa chaîne je vous parle et c'est important il n'y a rien il n'y a rien sur ta chaîne <laughs> bon ok donc ça c'est mon ami donc mwald85 où vraiment je vous invite mais vraiment 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 en fait à aller voir donc son contenu euh, voilà c'est avec qui en fait je travaille en fait en partenariat donc avec Nicky Win et euh, M 85 donc c'est pour ça qu'il y a des tutos où vous entendez donc M parler ou euh, Nicky Win donc c'est tout à fait normal nous sommes donc en partenariat donc voilà en fait YouTube ça crée aussi des amis ça crée aussi des liens et donc c'est l'intérêt de de ceci donc vraiment en fait Allez voir donc MWL85, vraiment il y a des tutos super intéressants, il en fait régulièrement. Donc euh, voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Vous serez certainement pas déçu. Louis Did, donc lui j'ai déjà fait donc une présentation de chaîne. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il est tout le temps actif et me fait des commentaires en permanence sur euh, toutes mes vidéos. D'ailleurs on le voit hein, je suis abonné à, à sa chaîne. Et quand on va donc dans à propos, donc voilà, je vous laisse lire sa description et donc d'aller donc lui rendre visite si ça vous convient. Alors mon ami, Louis Lide, qui est très 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 sympa. Voilà, alors ensuite, euh, Michael 73, est-ce que tu pourrais me dire si elle est bien ma chaîne, s'il te plaît euh, ouais, bah alors écoute mickel 73 je m'y rends tout de suite sur ta chaîne hop, alors euh, ta chaîne donc, déjà la bannière à mon goût, elle est trop chargée elle est trop chargée le, le Saint-Germain on le voit pas en entier le Abonne-toi et lâche un like, on le voit presque pas. Voilà, on le voit presque pas du tout. C'est un noir euh, noir sur une image euh, de fond foncé. Donc ça ne ressort pas. Le logo, euh, comme je l'ai dit, en fait, Paris Saint-Germain, en fait, ben on ne le voit pas non plus. La tour Eiffel, elle est pas entière. Et le mot Paris, en fait, en haut, on le voit pas non plus. Voilà. Ta bannière, en fait, il faut la refaire. Il faut la, la refaire. Il faut l'épurer, la faire plus simplement. Et, euh, voilà, plus ça sera simple, plus ça sera facile en fait à lire et à comprendre. Et bien cadrer euh, tes logos et, euh, et ton, ton texte, c'est très important. Ça c'est pour la bannière. Ensuite donc, euh, bon mettre ton logo, il n'y a pas de souci, pas de problème particulier. Alors est-ce que tu as fait des playlists Playlist créée donc vidéo j'aime autre. Ok donc tu as fait des playlists, ça il y a pas de souci tes chaînes donc ouvert à ça c'est euh, mieux pour gagner des abonnés comme ça si on se voit on est content bon, bon, moi je vais pas vérifier si je suis ou pas mais euh, et description donc dans l'onglet à propos c'est super important aussi donc euh, yo salut tout le monde je fais des vidéos sur des descriptions de youtubeurs et des tops et du gaming abonnez vous donc ouais as... ta chaîne est pas mal en fait hein. ta chaîne est pas mal euh, voilà ce qui est important dans une chaîne vraiment c'est donc c'est la bannière donc ta bannière faut vraiment la, la refaire c'est un conseil que je peux te donner. Euh, ensuite, euh, les miniatures. Les miniatures sont aussi importantes, mais euh, les tiennes sont, sont sympas. C'est des miniatures qu'on ne voit pas partout, donc il euh, a pas de soucis. Euh, et ce qui est important aussi, c'est les titres ainsi que les tags. Donc, voyons une au hasard. Voilà. Ici, donc, on voit. No tag, donc c'est veut dire que tu n'as mis aucun tag. Donc les tags en fait c'est important pour euh, que ta vidéo soit, soit trouvée sur YouTube. Voilà, parce qu'il n'y a pas grand monde qui va taper... Toi 3 vues t'as seulement 3 vues. Bon je te mets un like au passage. Il n'y a pas grand monde en fait qui va taper mes ventes sur le moteur de recherche YouTube. Voilà. Ça je n'en connais pas par contre. Mes ventes, c'est... Euh... D'ailleurs, la, la preuve que tu fait que 3 vues c'est euh... tout, c'est normal. Parce que ta vidéo en fait elle n'est pas vue sur YouTube donc met des tags déjà dans le tag déjà il faut tout mettre sur le, le titre de ta vidéo ainsi que ton pseudo voilà c'était déjà ça et dans les tags en fait tu mets des mots clés que les gens pourraient euh, être susceptibles donc de, de taper sur YouTube voilà donc les tags mon ami travaillez les les euh, les titres fait des titres accrocheurs et j'ai dit donc ta bannière, sinon le reste, il n'y a pas de souci. Allez, bonne suite à toi, donc, euh, Michael73, et merci pour, euh, pour ton commentaire. Alors, le suivant. Alex, fait ta pub. Elle est super, la vidéo. Elle, ça, et ça va cartonner, je pense. Donc, je te remercie beaucoup. Des vidéos sont cool tu pourrais t'abonner à ma chaîne alors je m'abonne pas à toutes les chaînes sinon j'en aurais euh, j'en aurais trop en fait et puis ça ne sert à rien de s'abonner en fait aux, aux chaînes que je vais pas suivre donc avant de voir je vais voir si ton contenu me, me plaît c'est pas méchant hein, mais euh, ça sert à rien en fait d'avoir des abonnés pour avoir un abonné de plus le but d'avoir des abonnés en fait qui soient actifs alors euh... A propos salut tout le monde c'est Zodanet euh, et on est une chaîne communautaire nous ferons des vidéos du gaming et d'autres on fait souvent des lives sur mixé venez description de chaque vidéo suivez moi sur Skype ou Discord Attends, déjà je vais aller ici donc ça c'est bon et donc dans les vidéos ouais donc dans là il fait ta pub il fait ta pub il fait ta pub il ta pub on dirait mon chat bon je vais, je vais pas m'abonner à voyons ton intro comment elle est ouais l'intro est sympa donc je vais pas m'abonner à ta chaîne parce que ton contenu en fait bon voilà c'est du fait à pub donc je, je le connais donc ça va rien rien m'apporter de plus mais en tout cas euh, continue euh, continue comme ça, c'est honnête, et merci pour ton commentaire, donc euh, Père Noël, donc c'est bon, euh, la question elle a été euh, elle a été réglée euh, Fire euh, tu sais, les vues c'est des personnes comme toi et moi c'est pas des robots, hein, ben oui effectivement, des, euh, des vraies vues, c'est pas des robots, c'est des personnes humaines effectivement, Louis dit comme, comme d'habitude, un commentaire sympathique euh, je pourrais faire une intro pour euh, M. -Wald. bon, ça c'est déjà fait. Je t'adore, merci. Super vidéo, merci. Hop. Euh, production, bien l'intro, merci. Tu peux faire une pub s'il te plaît. Allez, vu que c'est demandé gentiment, je vais voir ta chaîne rapidement. Alors, euh, Glass City. Ouais. Ah ouais. la, la bannière est sympa, après c'est juste le le texte en fait que on a du mal à... Il est trop pixelisé en fait à mon goût et euh, on a du mal en fait, à, à le lire co correctement d'un coup d'œil. Sinon il est pas mal, la bannière est belle Ça c'est pour la bannière, le logo il est sympa. Donc dans l'onglet à propos, et eh bien il n'y a pas grand chose. Les chaînes elles sont fermées donc moi je fais la pub uniquement en fait à ceux qui ont leur abonnement ouvert par contre euh, ensuite je me suis abonné contenu bon travail je t'encourage tu peux me faire tu peux faire de même toi aussi en t'abonnant à ma chaîne youtube voici justement la dernière vidéo que j'ai publié sur ma chaîne à bientôt alors on va voir tout de suite sa chaîne parce était très poli et je vais commencer Allez voir bon, l'onglet chaîne, c'est bon, l'onglet à propos. Donc là je vous laisse le tranquillement dans le temps de lire si vous souhaitez. Voilà, donc si vous voulez mieux lire, vous allez sur sa chaîne directement, hein, les amis. Euh, introduction. Clash Royale. Marvel. Clash Royale. J'ai une nouvelle chaîne YouTube. Nintendo Switch, donc voilà, donc ça c'est la chaîne de Rick the Jack, ou Jake, je ne sais pas comment on le prononce, donc je vous invite les amis, donc si, euh, si vous aimez donc, son contenu, donc à aller vous abonner à sa chaîne, et d'activer la petite cloche pour ne rien louper bien sûr, et je te remercie Rick pour ton commentaire. Alors, plus de commentaires did toujours pareil, toujours aussi euh, aussi sympa alors, Père Noël ça c'est bon, on s'est déjà vu merci de cette astuce mais de rien j'étais à 27 abonnés, je suis à 23 donc ouais, donc ça j'ai déjà répondu ouais. c'est sûr que malheureusement, beaucoup s'abonnent pour se désabonner, c'est pour ça que voilà, je dis c'est bête de s'abonner si le contenu de la chaîne ne vous plaît pas Toujours bien de s'abonner quand tout vous, tout vous plaît pour justement garder euh, un abonné actif. Astuce YouTube, euh, ben voilà, ouais. Edoué, Niki, au top, merci à toi Cédric pour ce partage. Celui-là, je n'avais pas vu, je J'ai pas vu ce, pas vu ce, ce commentaire. par Noël encore, merci, 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 donc ça, ok. Ensuite, Dialogaming m world M mwad m world superbe je like euh, bon là on va arrêter là par contre tout à l'heure j'avais vu un je crois que c'est ici je crois que c'est ici que j'ai vu un commentaire euh... commentaire qui demande comment on fait pour changer donc le changer comment en fait la, la rubrique en fait notre vidéo euh, vidéo divertissement ou autre attendez alors il était où ce commentaire là il est où ce comment vous avez les tags il faut des tags il faut beaucoup de tags c'est important. Les super ta vidéo, est-ce que tu pourrais. ça j'adore. Salut. Paf, 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 Non, donc ça, c'est pas ici. Euh, bon, bref, c'est pas grave. Donc, je vais euh, répondre à un commentaire qui m'avait interpellé sur une vidéo. Euh, c'est dommage, je ne pas retrouver c'est qui. Ça m'embête un peu. Ça aurait été plus simple. Euh, qui demandait en fait comment donc on changeait donc la rubrique de l'autre vidéo quand on met une, une vidéo en ligne. Euh, voilà, entre divertissement euh, musique ou autre donc je trouve plus le commentaire mais en tout cas je l'avais lu ça c'est certain donc je vais répondre donc euh, à notre ami tout de suite en, en mettant donc une petite simulation donc là je suis ici donc quand on veut mettre une vidéo en ligne on appuie donc sur la petite caméra ou écrit plus en haut à droite on clique dessus on a différents choix Bon, peut-être que vous aurez que deux choix, passer au direct ou mettre en ligne. Là, en l'occurrence, la question était quand on met une vidéo en ligne. Donc, on met en ligne une vidéo Pour ça, donc la vidéo, on va l'uploader. Donc on va la, la chercher. Donc là, je mets vraiment un truc, mais vraiment 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 en fait un truc au hasard. Donc, hop, je mets ça. Une fois que je suis ici, donc. On va dans Paramètres avancés et quand on est dans Paramètres avancés, on va dans Catégories voilà, et c'est là qu'on clique et qu'on peut choisir film, animation, auto, machine, tout ça et tout le reste. Donc ça, je vous vraiment, je vous invite en fait à bien cliquer sur le bon onglet. C'est important aussi pour mieux vous trouver sur euh, sur YouTube. Donc euh, donc voilà. Pour, pour répondre à ta question, donc c'est euh, ici voilà moi personnellement je mets tout le temps en fait la date d'enregistrement ça c'est ça c'est moi qui le fais et je mets souvent aussi la la langue voilà ça c'est voilà mais pour répondre à la question donc c'est vraiment ici donc dans paramètres avancés après une fois que tes vidéos sont déjà faites bon cette vidéo on s'en fiche je vais pas la je vais pas la, la faire moi par contre Donc ça, on s'en c'était juste un exemple. qui euh, était... Ensuite, une fois qu'une vidéo donc, est déjà faite, donc et que tu veux modifier donc ton ta rubrique. Donc tu vas donc... Alors on est toujours, on est bien d'accord, on est toujours dans créateur studio. Tu vas dans gestionnaire de vidéos. Et tu fais, on va regarder donc la même, tu fais modifier. Voilà, et quand tu es sur modifier, comme tout à l'heure, tu vas sur paramètres avancés et tu changes ta catégorie. Et tu peux tout modifier d'ici. Voilà, tu peux tout, tout, tout modifier euh, la, la monétisation, la traduction, ce que je viens de les informations générales pour rajouter des tags et une description. Tu peux rajouter donc une miniature personnalisée en cliquant ici ça va chercher donc dans tes, euh, dans tes photos, donc ça je m'en fiche, si tu, veux faire donc, euh, si tu veux faire donc une première diffusion si tu si as accès, il y a rien de plus compliqué, tu cliques ici et là tu fais planifier, voilà, et tu marques donc le jour, tu cliques, tu choisis le jour et après tu cliques tu choisis l'heure, tout simplement, si tu veux ajouter une playlist ajouter ta vidéo une playlist de ton choix. Et tu fais donc diffuser. Voilà. Pour ajouter donc une fiche, tant que j'y suis, je vais, je vais tout faire aussi. Hein. Euh, faut il faut que j'enregistre d'abord. Il faut que j'enregistre. Ah ben oui, pas comment. Ah oui, non, il faut que je fasse diffuser. Non, non, non je ne vais pas faire diffuser. Bon, parce que je vais pas diffuser. C'était un, un, un exemple. Donc voilà. Après, donc pour faire une fiche ou faire un écran de, de fin, ça marche comme ça, les amis. Voilà, allez donc cette petite euh, vidéo de publicité et de commentaires donc, pour moi donc, est terminée. J'espère que ceci donc, vous aura plu. Si ça vous plaît, donc, mettez un, un like avec des commentaires parce que vous avez vu que les commentaires c'est super important. Alors pas forcément des commentaires, euh, abonne-toi à ma chaîne s'il te plaît, faire des commentaires constructifs et des commentaires en fait, qui, qui me donnent envie d'aller voir votre chaîne. Voilà les amis et euh, bien sûr donc je passe pas chaque commentaire euh, comme ça en fait euh, un à un. Donc euh, voilà, c'est euh, quand il y a beaucoup de commentaires en fait, de la même personne que ça me donne aussi envie d'aller voir sa chaîne, m'abonner ou autre. Allez donc sur ce donc si ça vous plaît donc vous, la, vous lâchez donc un, un gros pouce bleu, un petit like, vous activez donc, la cloche pour ne rien louper et donc voilà, sachez que des vidéos sortiront régulièrement. Euh, des tutos et euh, des tutos de comment comment se servir donc de votre chaîne YouTube pour le protéger, le sécuriser, le créer une chaîne. Euh, enfin, voilà, j'ai plein de tutos sur ma chaîne divers et variés et c'est pas fini, ça fait ça fait que commencer. Donc euh, voilà donc surtout restez bien abonné et actif sur ma chaîne. À plus, ciao les amis.